plusieurs semaines de compétition acharnée, des gestes incroyables, des émotions fortes, autant de moments inoubliables qui nous ont amenés jusqu'à ce grand rendez-vous de football. Le plus grand match de l'été, la rencontre la plus attendue de ce tournoi, celle qui va sacrer le champion d'Europe. Inutile de vous préciser que l'ambiance est incroyable ici au stade, mais aussi dans les fan zones et dans tous les rassemblements populaires des deux pays, fièrement représentés par ces deux équipes. Pour vous assurer que le stade de Wembley tout entier est prêt pour cette rencontre, c'est vraiment un lieu à part. C'est le moment de l'hymne national de l'Ukraine. Pour ces 22 joueurs, c'est une occasion formidable d'inscrire leur nom dans l'histoire. Ah oui, c'est certain. Et quand cette édition marque les 60 ans de la compétition, ça rend les festivités encore plus spéciales, je trouve. Personnellement, j'estime qu'on a assisté à un très beau tournoi jusqu'ici. Cet euro nous a vraiment fait vibrer. Donc oui, espérons que cette finale sera à la hauteur. Il donne le coup d'envoi de cette finale. Les deux équipes risquent d'être un peu prudentes à l'entame. C'est une finale quand même. Il est passé. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. C'est joué dans la profondeur. Oh, il y a danger. Voici un bon centre. Et c'est intercepté. Une longue passe. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Il cherche la profondeur. Oui, il peut frapper là. Le ballon renvoyé par le poteau. Et pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Il est servi. Il paraissait bien seul aussi. Le long dégagement du gardien. Et ils se sont encore fait piéger.
Bonne intervention. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ça joue long vers l'avant. Il est lancé sur l'aile. Il peut centrer. L'Écosse qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai, on le voit bien d'ailleurs depuis notre poste commentateur. Et dans quel but, à votre avis, Darren? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc. Dans sa chance! Une frappe qui ne donne rien et pourtant, quelle occasion! Oh, que c'est dur! C'était une occasion en or! Il allonge vers l'avant. Un long ballon vers l'avant. L'arbitre signale une faute. Voici Ney Smith. Ça peut faire mal. Et l'arrêt est magnifique. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. Le bon dribble, bien travaillé dans la surface. Et défensivement, c'est parfait. L'Écosse qui cherche l'ouverture. C'est bien donné. Oh, l'aspiration! Repoussé par le poteau. Ça passe à côté d'un rien. Le mouvement était impeccable, mais la frappe vient s'écraser sur le poteau. J'espère qu'ils n'auront pas à le regretter. Passe dans la profondeur. Il tire. Oui, c'est en fond. Il n'a pas tremblé. Formidable. Ça pourrait être le tournant du match. Un but importantissime. Quelle précision. Le gardien ne pouvait rien faire. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire. Applaudir. Bravo. Voilà le match définitivement lancé. C'est toujours très important de marquer le premier but, bien sûr, mais surtout dans une finale. Il décide d'allonger le jeu. Ça n'a pas pu aller plus loin. Bien, la profondeur. C'est joué long, c'est dangereux. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Dans la profondeur. Le bon jaillissement. C'est joué. Et ça ne passe toujours pas. Ça manque un peu de tranchant tout ça, Grégoire. Tout le reste était bon, pas de soucis. Mais toi, être plus précis dans le dernier geste. Il y a peut-être un coup à jouer. Dans la profondeur, bien vu. C'est bien fait, ça. Quelle inspiration! C'est Yarmolenko, le centre. Allez jusqu'au bout! Oh, quelle frappe! À quelques centimètres! Et voilà, c'est ce genre d'action qu'on veut voir dans une finale. Ça aurait été un but magnifique!
C'est joué long. Cette attaque n'a pas pu se développer. Oh, voici Naismith. Et il cède sous la pression. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Dans la profondeur. Voici Yarmolenko. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Un centre dans la surface. L'assistant lève son drapeau. Et dégagement du gardien. Ce sera un nouveau hors-jeu. James Forrest. Ça joue à gauche. Il peut frapper là. Oh, le gardien est là, la classe. Et voilà une façon de faire briller le gardien. Et voilà qui conclut une première période très intense. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, peut-être. C'est la pause, le temps peut-être d'un premier bilan. Votre analyse? Il mène au score et c'est plutôt mérité au vu de cette première période. Mais bon, il reste encore beaucoup de temps, alors faut pas trop s'emballer. Tout peut aller très vite. L'Ukraine qui est donc devant, à mi-parcours dans cette rencontre, avantage d'un petit but. Le jeu a déjà repris dans cette seconde période. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Pourquoi pas tenter de faire le break rapidement? Quel timing dans l'interception! Il a stoppé l'attaque adverse. Il allonge le jeu. Le bon dribble. Il met le ballon dans la surface. Bien, bonne intervention. C'est joué dans l'espace. Ce contre peut très bien aller au bout. La frappe! James Forrest. Très belle ouverture. Oh, voici Naismith. L'interception, c'était chaud. Le corner est joué court. Oh, quel geste! Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Bonne sortie du gardien, ça c'est de l'autorité. Long ballon dans le sens du jeu. Il ne résiste pas au contact. Oh, quel geste! Le centre est parti. C'est récupéré. Robertson. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? Il mène toujours 1-0 en ce milieu de deuxième période.
ça joue long. La bonne passe. Bien joué, ça. Voici Yarmolenko. La passe est prise. Il va frapper. Ça s'est joué à rien. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Et encore une fois, ils sont solides. La bonne diagonale. Pour Fraser. L'Écosse qui tente de belles choses là. Allez, l'heure n'est plus au calcul. Non, c'est bien vrai. Il relance côté droit. Il allonge vers l'avant. Il s'impose physiquement dans ce duel. Bon, il résiste bien et il continue son one-man show. La frappe, attention! Attention au coup franc dangereux à suivre. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture, il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Il frappe directement. C'est dégagé loin. Oh, la frappe! La parade spectaculaire. Ah oui, superbe. Yarmolenko. Il accélère côté droit. Le ballon dans la profondeur. Il est à distance. Frappe. À côté. Tout seul, à cette distance, il doit vraiment faire mal. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. L'Écosse qui peut avancer, allez. Il est bien placé, il tente de la jouer dans l'espace. Et se fait pardonner. C'est joué long, attention. Ça peut être... Il a le champ libre. Attention, la frappe. Et pourtant, il avait été parfaitement servi. La défense a encore été prise sur cette passe. Il faut qu'il se réveille là. La victoire ne devrait pas leur échapper. On y est presque. Ils sont à quelques instants de la consécration. C'est une occasion, ça! C'est au fond des filets! Ça fait maintenant 2 buts d'écart. Ah, il était bien placé, ce ballon. Tout simplement imparable. Oh oui, super tir! Le break est fait, on est reparti. Il allonge le jeu. Dans la profondeur. Dans le dos. Il peut faire. Allez, c'est dangereux. Et il rate le cadre.
perd l'équilibre. Ça manque de précision, dommage. Il cherche son coéquipier. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Yarmolenko, va-t-il en profiter? Voici Yarmolenko. Oh, quel caviar! Le jeu repart vers la droite. C'est le coup de tête! Voilà qui met son but à terme définitif à tout suspense. C'est vraiment un beau coup de tête. Il a progressé dans ce domaine. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête. Le geste était parfait. Et c'est son deuxième but dans cette rencontre. C'est reparti, le score est... C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Voici les champions d'Europe. Quel bonheur, quel plaisir, quel pied de voir cette équipe sacrée au terme d'un Euro 2020. Exemplaire. Et ils s'en souviendront longtemps de cette journée, de ce match, de ce trophée, de cette gloire. Bravo messieurs, bravo pour cette coupe.